Parfait. Bonjour à tous. Pour ma part, Joanna Rivière. On est ensemble ce matin pour parler d'un sujet assez important, la reprise d'activités progressives qu'on nous a annoncé à partir du 11 mai, et notamment vis-à-vis du management. Alors aujourd'hui, je vais me présenter brièvement. Pour ma part, je viens du monde des ressources humaines au début de ma carrière. J'ai ensuite pu exercer un poste de business manager au sein d'une société de services informatiques. Pourquoi le sujet du management du distanciel et du numérique et des outils qui sont à disposition du manager sont familiers pour moi? Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai pu accompagner des managers au sein des organisations dans lesquelles j'ai pu exercer. J'ai été moi-même manager d'une trentaine de collaborateurs durant les 5 dernières années au cours de mon dernier poste. Et c'était notamment du management à distance, car il s'agissait d'une trentaine de consultants informatiques. Et vous l'avez bien compris, le monde de l'informatique n'est pas nouveau pour moi, de par mon expérience dans le numérique ces 5 dernières années, mais aussi mon implication dans le secteur qui est toujours active au sein de groupes de travail dans le Syntec numérique, mais aussi au sein de l'association numérique Emploi Grand Est. Je suis aussi assez active au niveau de l'enseignement, au niveau du CESI, mais aussi dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, dans la recherche d'un nouvel emploi, des entretiens conseils avec des organisations telles que Pôle emploi et partenariat avec la CCI, effectivement. Donc, pour mon activité aujourd'hui, excusez-moi, j'interviens dans les entreprises à travers des missions de conseil, de coaching, de manager et d'ateliers collaboratifs. Les interventions que je peux proposer, elles sont ancrées sur des choses concrètes, basées sur la bienveillance et du positif. L'idée étant de pouvoir mettre en action et expérimenter des nouvelles pratiques dans les organisations. Les managers, je les accompagne plutôt pour la gestion de l'humain, qui n'est pas toujours évidente, bien entendu, comme je pense que vous êtes un petit peu tous concernés. Et à travers ces coachings individuels, l'idée est de guider les personnes à trouver leur style de management, mais aussi développer leurs équipes avec une écoute, de la confiance et de la bienveillance. Voilà. Il faut savoir que le développement personnel et professionnel de toute personne permet à la fois à la personne de mieux se connaître, de trouver un sens à son travail, un épanouissement, ainsi qu'un équilibre qui conduise toutes ensemble à une meilleure qualité de vie globale. Voilà. Donc maintenant, passons au sujet. J'ai fait un petit état un petit peu de la période qu'on vient de passer ou qui est en train de se terminer. Les entreprises ont dû faire face à un certain nombre de mesures d'urgence, de mise en place de stratégies pour pouvoir poursuivre leur activité. On appelle ça les plans de continuité d'activité. Donc ça a pu être mis en place sous différentes formes au niveau de l'organisation du travail. Au niveau de l'infrastructure pour pouvoir poursuivre le travail, tant matériel que immatériel, au niveau également des modalités de télétravail. Ça n'a pas toujours été évident pour tout le monde. Il y a eu des moments de haut, de bas. On a essayé de sortir ce qu'il y avait souvent dans les placards ou de trouver en urgence des solutions. Donc, ça a entraîné des problématiques de disponibilité et de performance qui seront aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais à revoir pour le futur ou à optimiser ou à resécuriser. Je voudrais juste faire une petite aparté. Attention, faites attention à la sécurisation des données par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils à distance. Ensuite, on s'est retrouvé avec des entreprises qui ont complètement arrêté leur activité, d'autres qui ont été en activité partielle et avec des modalités de travail principalement en télétravail, si possible. Sinon, pour certaines activités qui devaient rester actives, des personnes sur site, mais avec des dispositifs et des mesures pour les gestes et barrières importantes, et notamment pour répondre à l'obligation de l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés.
Donc maintenant, au niveau des équipes, bah, ça n'a pas été évident. On a tous été impactés de plus ou moins par tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu des chocs émotionnels. Ça a bouleversé le rythme de vie de chacun de nous avec de nombreux changements, tant sur la vie personnelle que professionnelle. Et engendrer du coup un environnement pas serein et souvent flou avec un cadre et une complexité qui n'a pas été des moindres. Et ensuite, il y a eu aussi la mise en place, comme je disais avant, d'outils numériques qui ne sont pas des choses familières pour tous, que ce soit pour les managers comme pour les collaborateurs. Et donc l'apparition d'un management à distance, dit télémanagement, et donc le développement de nouveaux soft skills de la part de cette population. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur la reprise progressive de l'activité, alors le gouvernement nous a donné quelques directives complémentaires ou quelques points d'éclaircissement hier. Elle va pouvoir avoir lieu à partir du 11 mai. Peut-être avant, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se clarifier dans les prochains jours. Le maintien du télétravail est demandé jusqu'à la fin du mois de mai, au minimum. Mais ensuite, je pense que ça va être vraiment une modalité d'organisation qui va perdurer à l'avenir, au moins sur les prochains mois, et pourquoi pas après aller vers une démocratisation de ce fonctionnement et avoir des équipes qui fonctionne constamment pour une part en télétravail et pour une part en présentiel. Donc, d'où l'importance, comme je le dis ici, de prévoir des plans à court terme pour la période de reprise, mais également avec un objectif moyen terme de maintenir cette organisation, voire de l'optimiser pour pouvoir la pérenniser plus tard. Au niveau des équipes, du coup, on va avoir du coup des managers qui vont devoir faire face à une organisation qui sera peut-être encore plus complexe qu'aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont revenir travailler en présentiel, d'autres qui vont rester en télétravail. Tout va dépendre de la situation de chacun. On sait que les enfants ne vont pas forcément reprendre tous en même temps ou pas du tout. Donc, il va y avoir un certain nombre de contraintes personnelles à prendre en compte dans l'organisation personnelle et professionnelle. Le manager, lui, va devoir continuer de se recentrer sur l'humain, du coup, sur son rôle de manager humain. Donc, il va devoir adopter une certaine posture et continuer, persévérer dans l'apprentissage et la mise en place des usages des outils numériques au sein de son équipe. Je vous propose du coup maintenant un plan d'action pour la reprise et notamment focus pour le manager. L'idée étant, dans un premier lieu, dès la reprise, d'évacuer le vécu et de libérer les émotions de vos équipes. Il faut savoir que cette période a été complexe et que le fait de pouvoir partager tout ce qui s'est passé et le vécu de chacun aidera l'équipe à repartir sur de bonnes bases. Ensuite, il faudra continuer de garder et consolider et de cultiver les liens et les échanges que vous avez pu mettre en place avec vos collègues et vos collaborateurs, pour ensuite vous inscrire plus sur la durée en commençant à instaurer et en promouvant tout ce qui est lié à l'engagement des collaborateurs sur le long terme, à la fois pour les faire collaborer et qu'ils puissent être avancés ensemble. Ensuite, un dernier point qui est assez transverse, dès que vous rencontrez des victoires ou dès que vous avez des apprentissages qui sont plutôt positifs et qui pourraient être transmis comme bonne pratique au sein de votre organisation, n'hésitez pas à les partager au-delà de vos équipes. Donc maintenant, je voudrais du coup revenir un petit peu plus en détail sur les quatre grands points qu'on a vus juste avant. L'idée étant de faire des focus sur certaines choses,
Le timing du webinaire n'étant pas assez grand pour rentrer dans le détail, j'ai voulu privilégier certaines thématiques et les approfondir en donnant quelques points ou quelques mots, quelques bonnes pratiques clés que vous pourriez mettre en place. Voilà. On aura l'occasion d'en discuter plus amplement ensemble au moment des questions, si vous avez envie de rentrer plus en détail, ou directement ensemble si vous souhaitez échanger avec moi par la suite. Donc le plan d'action, comme je le disais, dans un premier temps, évacuer le vécu et libérer les émotions. L'idée, c'est quoi? C'est de rassurer, premièrement, les collaborateurs avec une communication transparente qui soit compréhensible par tous, cohérente au niveau de l'organisation et pas seulement au niveau des équipes, et surtout qui se veuille rassurante, notamment vis-à-vis des dispositifs de sécurité sanitaire qui ont été mis en place, que ce soit dans l'organisation, mais également dans l'organisation du travail, enfin dans l'entreprise, excusez-moi, avec toutes les procédures, gestes et barrières et les nouvelles procédures pour garantir la santé et la sécurité des collaborateurs. Je citerai comme exemple, par exemple, la prise de température à l'entrée de certaines entreprises, mais aussi sur l'organisation du travail que vous avez décidé d'adopter, notamment maintenir le télétravail ou moduler la reprise d'activité dans les équipes. Ensuite, il faut que cette communication soit faite de manière formelle par écrit ou des procédures soient édictées et des règles mises en place pour que tout se passe bien, que tout le monde ait les mêmes données pour que enfin, que tout se passe dans le respect. Donc ça, vous pouvez le faire en réunion, mais également les diffuser sur l'intranet ou l'extranet ou les laisser à disposition sur vos espaces collaboratifs, à vous de voir comment vous avez envie de faire. Et surtout, restez à l'écoute à la fois des collaborateurs individuellement et du collectif. Donc sur la partie, je voulais revenir sur l'importance de gérer en fait ses émotions. Il faut savoir que nous avons tous été bouleversés et chamboulés, voire touchés personnellement par la situation et par le Covid-19. Il serait donc illusoire de vouloir aujourd'hui obtenir un engagement de vos collaborateurs sans leur donner le temps d'évacuer le vécu et de libérer leurs émotions. L'idée étant, par exemple, comme je le préconise, d'organiser sur la semaine de reprise, soit une réunion tous ensemble ou en petits groupes, pour amener les salariés à échanger entre eux, à partager du coup tout ce qui va être bah, les bonnes, les mauvaises expériences, les émotions qu'ils ont ressenties. Voilà. L'idée, c'est une occasion pour vous comme pour eux de repérer les chocs post-traumatiques, d'accueillir les émotions, de remettre en lien les collaborateurs entre eux, mais aussi de poursuivre vers de nouveaux jours tous ensemble. Cette réunion ou ce groupe que je propose de mettre en place, je pense qu'il faut qu'il soit du coup organisé en amont par la personne qui va animer cette réunion, notamment je pense au manager, voire à d'autres personnes selon vos organisations. Et puis vous pouvez amener vos collaborateurs à commencer à travailler sur le sujet en leur demandant et en les orientant sur des questionnements pour qu'ils puissent prendre un peu de recul et pour que l'échange soit encore plus constructif. Ensuite, du coup, pour développer. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Ok. Juste faites attention, essayez de couper vos micros si c'est possible pour éviter un petit peu les interférences. Gérer les émotions, il est important pour le manager en fait de développer son intelligence émotionnelle. Il faut savoir que l'intelligence émotionnelle aide à trouver une réponse adaptée et efficace dans de nombreuses situations. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur l'intelligence émotionnelle que je trouve importante, notamment dans cette situation, mais qui permet
au manager d'être beaucoup plus dans l'adaptation des situations qu'il peut rencontrer au quotidien dans son activité. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle a trois grands objectifs. Orienter ses pensées et ses comportements en fonction de ses propres émotions, c'est-à-dire avant tout se connaître soi-même et se comprendre et soi-même pour pouvoir reconnaître les émotions des autres afin de fluidifier les relations dans le travail et notamment vis-à-vis de la gestion de son équipe. Et enfin, comme je le disais juste avant, de mieux s'adapter aux différentes situations rencontrées. Il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est un vaste sujet et qu'elle s'applique de manière constante, que ce soit dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, cette intelligence émotionnelle est un réel atout pour le manager. Elle lui permet dans son activité professionnelle à la fois de gérer ses émotions selon les ressentis qu'il peut avoir, mais aussi d'observer celles des autres, de mieux comprendre ses collaborateurs et ensuite de pouvoir s'adapter rapidement à certaines situations. La communication et les interactions sont facilitées. Le travail se passe de manière plus fluide et de manière plus harmonieuse, en authenticité, avec de l'authenticité et de l'empathie. Et ça permet de mieux appréhender la gestion d'éventuels conflits. Il faut savoir que parmi les compétences émotionnelles, on va retrouver cinq grandes familles. Du coup, la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie, la motivation et tout ce qui est aptitude sociale. Ce qui est du coup un prérequis ou du coup une stratégie de développement de son leadership. Au niveau du management pour devenir vraiment un manager humain. Au niveau du plan d'action, je reviens sur le plan d'action initial. En deuxième lieu, j'avais parlé de garder, de consolider, de cultiver les liens qui ont déjà été mis en place, je pense, dans un certain nombre d'équipes. Donc voilà, ça peut se faire sous la forme de communication. Et de suivi régulier de chacun des collaborateurs individuellement, mais aussi par la mise en place de réunions d'équipe régulières. Alors, on va retrouver des choses plutôt formelles, orientées du coup, par exemple, sur tout ce qui est objectif et le contenu du travail. Donc, je pense au one-on-one, je ne sais pas si vous en faisiez déjà auparavant. En tout cas, je conseille d'en faire. Pour la période de reprise, mais pas que, mais aussi pour la suite, au moins un par semaine. Ça permet vraiment d'entretenir une relation de proximité avec chacun de ses collaborateurs. Et pour la période de reprise, principalement, et qui sera à poursuivre ou pas selon votre souhait et selon le besoin de chaque personne, des échanges informels via principalement la vidéo, voire le téléphone. Sur leurs ressentis, les émotions et les éventuels freins et difficultés qu'ils pourraient rencontrer, notamment vis-à-vis du coup de leur équilibre de vie personnelle et professionnelle pendant cette période un petit peu transitoire. D'autres dispositifs que je pourrais conseiller, il existe des dispositifs tels que la météo dite émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce type du coup, de questionnaire. C'est des questionnaires que vous pouvez diffuser au sein de vos équipes de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire avec un certain nombre de questions pour pouvoir un petit peu avoir du retour et du retour sur le ressenti global au sein des équipes et sur leur dynamique. Ensuite, vous pouvez créer du coup, et animer des communautés, alors communautés ou groupes, qui permettent d'échanger, de couper de la routine et de redynamiser, donner de la perspective aux équipes, que ce soit sur des objets liés à l'activité, à votre organisation interne, par exemple, pour l'optimiser. On reverra ça un peu plus tard, mais aussi des groupes de partage plus informel sur des sujets divers et variés,
pour animer et impulser une dynamique optimiste au sein de l'équipe. Et donc là, je pense au Visio Café, je pense du coup au temps organisé le matin pour rassembler l'équipe et focaliser l'équipe sur les objectifs de la journée, les mobiliser tous ensemble, tout en s'assurant bien sûr que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour tout le monde. Et enfin, une troisième mesure qui me semble intéressante à creuser, c'est le feedback. Le feedback n'est pas toujours utilisé, je pense, de manière pertinente ou souvent de manière peu courante ou seulement à des occasions vraiment précises. Le feedback, il faut savoir que c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien en croisant quelqu'un dans un couloir, en lui disant merci, c'est bien, bravo, félicitations. Mais il existe aussi des feedbacks que vous faites souvent au one-on-one ou aussi des feedbacks dits collectifs au niveau de l'équipe pour fêter les petites victoires, avancer tous ensemble et fédérer vos équipes. Et quand je parle de feedback, là on a parlé de feedback positif, mais il peut y aussi y avoir des feedbacks négatif. Alors, j'aime pas vraiment ce terme, je dirais plutôt des feedbacks pour grandir, donc des feedbacks d'apprentissage qui permettent de mettre un point sur des choses qui ont été un petit peu complexes et qui seraient intéressantes de retravailler pour amener ses collaborateurs à grandir. Et je finirai sur le réciproque. Réciproque pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, bah, c'est le manager a tendance à faire des retours à ses collaborateurs sur leur travail, mais en France, peu d'entreprises ou peu de personnes ont la culture du feedback réciproque, c'est-à-dire en tant que manager, il est toujours intéressant, je pense, d'avoir un retour de ses collaborateurs par rapport à ses pratiques, par rapport à son activité. L'idée étant de ne pas être dans un jugement, mais vraiment d'être dans un échange bienveillant pour aider l'autre à prendre du recul et à s'améliorer dans la position dans laquelle il exerce. Et pour aller plus loin, je vous ai noté qu'il pourrait être intéressant de travailler à moyen terme, voire à plus long terme, sur une stratégie et une culture d'entreprise orientée vers une qualité de vie globale. La qualité de vie globale, pour moi, est très importante. L'idée, c'est que au mieux, chacun de nous sommes dans l'entreprise, et ben, au mieux, on vivra la situation présente. L'idée étant d'associer à la fois la qualité de vie au travail, qui est souvent mise en place dans les entreprises, mais la qualité de vie hors temps de travail. Et aujourd'hui, on pourrait rajouter la qualité de vie en télétravail, mais aussi bien prendre en compte tout ce qui est lié à la santé des collaborateurs. Donc c'est vraiment une vision globale et transverse. Et pour continuer un petit peu sur cet esprit de garder le lien, vous pouvez mettre en place des rituels dits d'équipe qui ont pour objectif d'améliorer les processus de décision ainsi que l'organisation des actions dans votre activité et son pilotage. Ça vous permet ensuite d'offrir l'opportunité à vos collaborateurs de s'exprimer et ça a des impacts bien sûr positifs à la fois sur la motivation, la performance individuelle et le développement de l'intelligence collective. Et donc dans ces rituels, on pourrait revenir sur des choses qui peuvent rythmer votre activité et du coup les journées des collaborateurs, par exemple avec le Morning Café, cultiver tout ce qui est l'optimisme au quotidien durant tous les échanges que vous pouvez avoir avec vos collaborateurs. Le fait seulement aussi d'arriver avec le sourire le matin, ça aussi c'est toujours intéressant. C'est des petites choses, mais qui mises bout à bout peuvent vraiment avoir un impact positif dans l'esprit d'équipe et dans le ressenti de chacun. Et ensuite, des points plutôt hebdomadaires. Donc là, on pourrait retrouver des points d'équipe plus ou moins informels, comme on l'a déjà dit. Par exemple, un point le vendredi, en fin de matinée pour faire le point sur la semaine et se souhaiter un bon week-end. Tout simplement, c'est des choses, simples, mais qui ont forcément un impact sur l'humain. Et après, des choses plutôt ludiques ou plutôt
dits de loisirs comme tout ce qui est after work ou organisation de cafés vidéo pour partager en toute convivialité. Ensuite, on va revenir du coup sur la troisième étape et les questions à se poser sur comment fédérer et favoriser l'engagement des collaborateurs. Donc là, ben, fédérer et favoriser cet engagement, ça peut se faire via des outils numériques. C'est ce qui a été plutôt mis en place pour pallier du coup au manque de relations en face à face du coup et direct. Donc les outils numériques. Ça va être un petit peu les nouveaux outils qu'on va utiliser à l'avenir de manière pérenne parce que bah, du coup ils font gagner du temps, ils permettent de s'astreindre du coup du lieu où se trouvent les collaborateurs mais aussi de leur disponibilité parce qu'on va retrouver des outils numériques qui peuvent s'utiliser du coup en instantané qu'on appelle synchrone et des outils numériques asynchrones qui peuvent être utilisés par l'ensemble des collaborateurs, mais de manière différente à des moments différents. Tout dépend de la teneur de ce que vous voulez mettre en place et de l'objectif. Et ensuite, il existe une multitude d'outils, on y reviendra. Ensuite, l'idée est d'impulser une envie de réfléchir ensemble pour demain, via bah, notamment l'intelligence collective. Responsabiliser aussi vos collaborateurs, c'est aussi leur faire confiance, donc leur confier des missions, éviter d'être toujours dans le contrôle. Et enfin, pour fédérer, célébrer les efforts et les victoires de l'équipe par des moments plutôt conviviaux et avec des feedbacks réguliers, individuels et collectifs. Donc pour moi, pour pouvoir arriver du coup à fédérer et favoriser l'engagement, il faut d'abord construire une équipe et mettre en place un environnement favorable à l'épanouissement que je vois sous forme de cohésion sociale. Donc je m'explique, construire une équipe ne se décèle pas, elle se construit au fur et à mesure du temps. Une équipe est constituée donc d'une somme d'individualités à découvrir et à identifier. Les membres d'une équipe partagent à la fois leur savoir mais leur savoir-faire. Une équipe a une dimension émotionnelle forte, on l'a vu, on a tous une dimension émotionnelle propre. Une équipe prend et doit aussi prendre du plaisir au travail. Et du coup, il réside dans l'esprit d'équipe, un esprit collectif qui permet d'avoir une véritable dynamique dite positive. Et ensuite, en termes d'environnement, il faudrait créer ce que j'appelle une cohésion sociale. Alors, c'est un terme qui désigne l'état d'une société, d'un groupe, d'une organisation, où on retrouve une solidarité forte et des liens sociaux intenses. L'idée, c'est que favoriser cette cohésion sociale, ça permet l'intégration des individus dans un groupe, leur sentiment d'attachement renforcé. Une participation à la vie sociale du groupe, mais aussi de pouvoir partager ensemble des valeurs qui nous permettent de voir dans la même direction, tout en instaurant des règles de vie pour avoir un respect mutuel au sein de l'équipe et donc une meilleure synergie et du coup plus d'authenticité dans les échanges, venant ainsi bah, renforcer les liens sociaux, comme on l'a vu juste avant. Je voulais, comme j'ai pu le faire sur l'intelligence émotionnelle, faire un point plus précis sur l'intelligence collective. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu au fait de ce que c'est l'intelligence collective. Donc j'ai voulu refaire un petit point. L'intelligence collective, c'est la mise en commun des compétences, des connaissances, de la créativité, de la capacité de réflexion et de la résolution des problèmes au service d'un objectif partagé. Donc, celle-ci favorise la coopération et la collaboration au sein des équipes. Donc, son objectif principal, c'est de créer l'engagement, un engagement collectif durable, du coup, avec différents modes de collaboration.
Ça a un impact direct sur la réussite et la performance globale de l'organisation. Et ça permet d'accompagner les périodes de transition et de changement comme celle-ci, développer les compétences de vos collaborateurs et de pouvoir créer, entre guillemets, des projets pour l'avenir. Mais vous pouvez aussi l'utiliser du coup pour réfléchir ensemble sur des questions, faire émerger des propositions et ensuite pouvoir les hiérarchiser ou les sélectionner pour partir ensemble sur des projets collectifs. Ça peut être aussi, dans un dernier temps, utilisé pour dénouer des blocages au sein de l'équipe. Au niveau des outils, il existe une multitude d'outils que je détaillerai pas forcément ici parce que c'est un sujet à part entière. Ensuite, au niveau de l'équipe, du coup, l'intelligence collective et la cohésion sociale, ça permet du coup d'instaurer un climat de confiance, du coup de favoriser la coopération, stimuler l'intelligence émotionnelle et de permettre au potentiel de chacun de s'exprimer. Souvent, quand la personne est en confiance, même une personne qui a tendance à être introvertie de base aura plus de facilité si elle sent que le groupe est à son écoute et qu'il y a cette confiance mutuelle de s'exprimer. D'où l'idée de chacun puisse exprimer ses potentiels. Et ensuite, encourager et organiser toute la réflexion collective autour de questionnements globaux ou liés à des projets de mise en place au sein de votre organisation. Et au niveau de votre management, ça vous permet du coup également de passer step by step, comme je dirais, du management directif à un management porteur de sens. Voilà. Mais pour ça, ben, effectivement, les managers doivent du coup utiliser des soft skills qui ne sont pas toujours innés. On rappellera ces soft skills sont l'écoute active, la bienveillance, la transparence et une communication interpersonnelle. Je finirai du coup sur deux points qui me semblent importants. Le plaisir au travail, c'est une condition de réussite pour aller de l'avant. Un plaisir qui est partagé précède la performance, mais le plaisir permet d'insuffler l'engagement de chacun et donc des performances multiples, que ce soit au niveau de l'activité, des personnes dans leur développement, mais aussi économique à plus long terme pour l'entreprise. Du coup, par rapport à cette notion de plaisir, je voulais revenir un petit peu sur le rôle du manager. Vous pouvez animer vos équipes de façon dite agile, c'est-à-dire en mettant en place des outils ou des dynamiques stimulant l'émergence des idées. Et si vous pouvez mettre un brin de numérique et d'innovation dans vos pratiques, c'est encore mieux. Comme exemple, je pourrais citer tout ce qui est système de management des idées, mettre en place des jeux d'innovation, par exemple avec des aspects ludiques, instaurer des outils avec du management visuel, c'est aussi très apprécié, ça permet d'associer l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle, et aussi travailler avec ces plateformes d'outils collaboratifs qui vous permettent de centraliser avec un même outil un certain nombre d'outils ayant des objectifs différents, que ce soit d'informer, de collaborer, de discuter, d'organiser des réunions ou de partager des documents dans des groupes de travail, de travaux, pardon. Et enfin, on en a parlé déjà un petit peu par le feedback, c'est la reconnaissance. Savoir que son travail est reconnu par les gens qui nous entourent, c'est toujours source d'énergie positive. On va dire que la reconnaissance est une source incroyable d'énergie. Reconnaître les efforts de chacun, les changements réalisés et le développement des compétences. Permet du coup de façon innée d'entraîner des résultats et des changements d'attitude au sein de vos équipes.
Donc voilà, donc j'ai été un petit peu rapidement. Je vais faire entre guillemets, si je devais résumer ce que j'ai dit ici, c'est que vraiment la position et la posture du manager pour la reprise, mais aussi pour la suite des mois qui arrivent, voire de manière plus pérenne, pour instaurer vraiment une dynamique de proximité et de compréhension de ses équipes. C'est le plus dur est de manager donc l'humain. Ça passe par trois prismes. La partie intrapersonnelle, apprendre à bien se connaître, à connaître ses limites et à se développer soi-même. La capacité qui passe aussi par le prisme interpersonnel, c'est animer les échanges, créer du lien, garder du lien et les développer. Et l'aspect collectif, c'est comment dynamiser, fédérer, faire coopérer et collaborer vos collaborateurs. Tout ça ben, avec trois objectifs, de l'authenticité, établir de la confiance, toujours être à l'écoute et développer, faire grandir vos collaborateurs au travers le développement de leurs compétences et au travers ben, leur développement personnel. Donc là, je voulais revenir du coup sur l'importance que je vois aujourd'hui d'investir sur votre façon de manager, parce que demain, le facteur humain fera la différence pour le redémarrage, mais pas que. Cette crise, du coup, c'est le parfait moment pour l'organisation de changer et de faire évoluer certaines choses. Vous pouvez aussi programmer un nouvel agenda, des nouveaux rituels et une nouvelle façon de fonctionner, reprioriser vos actions au niveau de l'équipe. Vos équipes, il faut savoir qu'elles vont vous attendre du coup à la reprise pour les accompagner et les épauler. Et je pense que tous ces bouleversements auront engendré chez chacun de nous des envies diverses et variées qui vont émerger. D'où les collaborateurs auront aussi envie de changement et d'aller plus vers des équilibres de vie personnelle et professionnelle avec une certaine qualité de vie globale, que ce soit dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise pour eux-mêmes. Mais aussi, ça vous offre aussi la possibilité de vous développer personnellement et professionnellement. Et donc, de grandir. Pour terminer sur la partie plan d'action, voilà, je vous invite à adopter la méthode de ces trois A que j'ai appelée, qui passe par cultiver dans l'entreprise l'authenticité, l'écoute et la confiance, créer une dynamique collaborative optimiste et innovante, adopter une posture managériale propice à la cohésion, à l'engagement, à la performance et au bien-être des équipes. Approprier et utiliser les outils collaboratifs numériques et avancer avec votre équipe pour grandir et les faire grandir. Voilà, ça reprend ce que je vous ai dit depuis le début dans chacune des parties. Et pour finir, ne vous oubliez pas, pensez à vous et gardez l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Quelques petits conseils au passage. Avant la reprise, prenez du temps pour vous, faites une pause, déconnectez, lâchez prise, vivez à l'instant présent, respirez, veillez à votre sommeil, point clé qui permet de pouvoir avancer et se ressourcer. Et reconnectez-vous avec vos proches, avec votre être, et pour vous refaire une santé énergétique. Et au niveau du coup de ce que je vous conseille pour la suite après la reprise, c'est d'adopter des bonnes pratiques pour augmenter votre qualité de vie globale à vous en tant que personne. Pensez aussi pensez du coup à votre développement personnel et quoi qu'il arrive, faites de votre mieux. Restez vous-même, soyez authentique et laissez-vous surprendre par vos collaborateurs, par leur créativité et par le collectif.
Je vous remercie du coup m'avoir écouté attentivement. J'aurais voulu instaurer des questions au milieu des échanges qu'on a pu avoir. C'était pas forcément évident parce que j'avais pas mal de choses à vous communiquer. Mais maintenant, je reste disponible si certains d'entre vous ont des questions ou ont envie de partager des expériences, des difficultés ou des freins qu'ils ont rencontrés pendant la période de confinement ou qu'ils rencontrent aujourd'hui. Voilà, donc vous avez la parole. Je vous invite à vous manifester sur. Je vais me mettre sur les messages. Et l'idée, c'est que vous manifestez, puis vous prenez la parole en déverrouillant votre micro. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions. Est-ce que certaines personnes ont déjà mis en place du coup un plan de reprise ou comment vous comptez organiser vos équipes? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place dans vos organisations? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Turkan, je dirige une équipe de 30 personnes et j'ai un peu mis en place tout ce que vous avez préconisé dans le lien social. Donc, merci pour ces observations et votre webinaire. C'est super intéressant parce que ça vient nous rassurer d'une part, mais ça vient aussi, on va pouvoir aussi compléter ce qu'on n'a pas bien fait, entre guillemets. Alors, on ne fait jamais pas bien, par contre, on apprend par l'expérience. C'est quelque chose de très important et que je mets vraiment en avant, c'est que chaque chose que vous allez faire aujourd'hui est une expérience. On est dans une situation nouvelle, tout le monde est confronté aux mêmes incertitudes, manque de visibilité. L'idée est d'apprendre de chaque expérience. Alors, juste pour la partie prise de contact avec l'ensemble des collègues, donc moi j'ai fait le choix de les appeler individuellement pour pouvoir prendre des nouvelles une fois par semaine. Donc je ne vous explique pas le temps que ça, l'énergie qu'on doit déployer parce que pour certains l'entretien entre guillemets l'entretien téléphonique dure entre 5 et 10 minutes. Pour d'autres, c'est ça devient leur espace de lien social et ça dure beaucoup plus longtemps. Et la difficulté que moi je rencontre, c'est comment mettre fin à cette discussion, sachant que l'idée, c'est pas de parler aussi de la pluie et du beau temps toute l'après-midi, sachant que j'ai d'autres collègues qui m'attendent sur le coup de fil aussi. Et là, c'est là où j'aimerais peut-être avoir votre retour d'expérience ou votre expertise sur qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est face à cette situation, sachant que bien sûr, il y a eu des décès. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là? Les problématiques des mamans avec leurs enfants, les problématiques des couples qui se posent tout doucement parce que voilà, ça devient de plus en plus difficile. Et comme nous n'avons pas la casquette du psychologue de ces situations-là, ma question c'est comment je pourrais aborder ma prochaine prise de contact parce que je ne vous cache pas que je l'appréhende à chaque fois que je dois prendre mon téléphone et certaines personnes, je me dis, oh mon Dieu, mais comment je vais gérer ça tout à l'heure, quoi. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses donc, dans ce que vous avez dit. Tout d'abord, sur la partie cadrage en fait, de ces contacts, moi, j'invite du coup à vous positionner et à communiquer de manière globale à vos équipes. Voilà, aujourd'hui, je vais continuer de garder le lien avec chacun de vous et de manière hebdomadaire suivant le rythme que vous avez adopté. L'idée de ces échanges-là, c'est un échange de 10 à 15 minutes pour faire le point avec vous si tout
tout va bien et aborder des difficultés ou certaines problématiques que vous rencontrez. Et puis, pour prendre aussi la température au niveau de vos émotions et de vos ressentis ou éventuels freins. Donc, au moins, vous donnez vraiment à vos collaborateurs le cadre et de l'échange. Et si, du coup, certaines personnes ont besoin de parler plus, c'est pas vous, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas là pour assurer, entre guillemets, ben, tout. Voilà, l'idée, c'est que vous devez être rassurant, vous devez être à l'écoute, mais ça ne doit pas non plus vous prendre trop de temps et surtout vous impacter. Parce que, après, il y a des personnes qui ont des carapaces plus ou moins fortes pour entendre des choses ou pour répondre, comme vous l'avez dit, comment je dois m'adapter en termes de communication, qu'est-ce que je dois dire. C'est pas toujours évident. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez faire appel aussi à un autre service qui sont mis à disposition et je l'ai fait notamment pendant le confinement et je vais sûrement le poursuivre. C'est soit faire appel à des coachs ou à des psychologues du travail. Il y a souvent des gens qui proposent ça. C'est des échanges assez courts proposés aux collaborateurs, mais qui leur permettent un petit peu de décharger émotionnellement ce qui se passe. Et ensuite, eh ben, d'avoir des échanges plutôt positifs et constructifs, où on essaye de voir comment mettre en place ensemble des outils ou des méthodes pour qu'ils arrivent mieux à gérer soit les situations de stress, soit dans la façon de s'organiser entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça peut être des idées. Et j'avais une autre observation, une autre interrogation, on va dire. C'est étant donné que nous sommes tous et toutes dans l'incertitude totale au vu de ce qui s'annonce et qui se contredit le lendemain, il est difficile pour nous de tenir un discours dans une articulation par rapport à une reprise et de systématiquement de dire ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'attendre réellement ce qui nous attend avant d'annoncer un cadrage pour une reprise éventuelle? Je pense que le cadrage, il ne faut pas l'annoncer aujourd'hui. Par contre, il faut rester dans une communication rassurante en expliquant qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler notamment sur ben, tous les plans de reprise pour veiller à la sécurité et à la santé de chacun d'eux en essayant d'optimiser l'ensemble ben, de l'organisation, des pratiques, vraiment en restant sur cette idée d'obligation de respecter enfin, et de préserver leur santé, et en leur expliquant que vous pourrez revenir vers eux que suite bah, du coup, à certains éclaircissements du coup, de la reprise par le gouvernement qui vont arriver dans les jours à venir, mais sans donner de date exacte aujourd'hui. Dès que vous avez une visibilité d'une date où vous pouvez vous positionner, alors faites part de cette date-là. Mais laissez pas les collaborateurs en attente sur une date qui, au final, si vous n'arrivez pas à la tenir, vous allez perdre en crédibilité et en confiance. Non, ça c'est exactement ce qu'on a fait, donc très bien. Et j'ai une autre question par rapport à, bon, dans des organisations, on a différents niveaux hiérarchiques. Mis ces niveaux, certains managers sont en situation dite fragile hein, par rapport à leur état de santé. Donc, pour certaines personnes, on va favoriser à nouveau, malgré leur situation, malgré le fait qu'ils soient managers et qu'ils seraient normalement plus à même d'être là avec nous en présentiel, on va favoriser leur maintien en télétravail. Comment on peut annoncer aussi ça à nos collaborateurs, sachant que certains sont managers ne viennent pas et d'autres viennent. Vous voyez là, par rapport à cette différence. Je comprends. Alors, ça va pas forcément être facile parce que c'est des choses qui sont pas, on va dire, dans les mœurs. C'est-à-dire que le manager, bah, il doit être là, c'est lui qui doit mener son équipe. Enfin, voilà, on va avoir des périodes un petit peu de flottement, mais après, ça va peut-être aussi se démocratiser. C'est que aujourd'hui, bah, le manager, c'est plus simple d'être en présentiel, oui, mais si tous ses collaborateurs sont pas en présentiel, c'est pas une obligation. Ce qu'il faut faire en termes de communication, je pense. C'est à la fois bah déjà expliquer au manager, ben, peut-être le déculpabiliser, le manager qui va rester en télétravail, parce qu'il faut aussi penser à lui, parce qu'il va peut-être pas se sentir en position agréable ou légitime, entre guillemets.
vis-à-vis de sa position de manager, mais en fait de faire passer le message sous l'idée de préserver la santé de chacun des collaborateurs. Peu importe que vous soyez manager ou pas manager, vous êtes tous égaux, vous êtes tous humains, on a une obligation de préserver la sécurité un maximum et notamment vis-à-vis du coup des personnes à risque. Et si votre manager est une personne sensible, voilà, c'est être authentique, dire les choses sans aller forcément dans le détail, mais au moins ils sont sensibilisés aussi les collaborateurs au fait que la personne a des prédispositions qui peuvent du coup l'amener à être en risque si elle vient au bureau. Très bien, pas Voyez, merci. plutôt sous cet aspect-là de bienveillance vraiment. Et puis je pense que, à part certaines personnes bien sûr, mais les gens après cette période vont quand même être conciliants et comprendre un petit peu les dispositifs qui sont mis en place dans cette optique-là. Très bien. Ben, merci infiniment, Johanna. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Et à vous. Et bon confinement. Merci. 'Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Moi, je voulais intervenir, j'ai pas une question. Francis Moreau, j'interviens en entreprise. Vous m'entendez? Je sais pas, ouais. Oui, Ou tout à Johanna, fait. oui. Donc, le management, très bien, très belle présentation. J'étais manager dans le temps, maintenant je suis à mon compte et j'accompagne les entreprises dans la prévention des risques. Et là, j'ai eu au début du confinement des clients qui m'ont fait appel, disant, voilà, on est dans la pagaille, tout le monde a peur de travailler, il y a le virus, on ne sait pas comment faire, il faut que je maintienne l'activité. Donc, il y avait une angoisse, hein, une angoisse de la part des dirigeants qui étaient, alors tous, c'était, comment dire, le sentiment d'éponge peut-être avec aussi ses collaborateurs. Donc, je l'ai rassuré, j'ai rassuré ce dirigeant sur les risques, comment on fait, comment il maintient son activité. Comment il protège ses salariés, sachant que on a quelques informations de base, les gestes barrières, mais c'est vraiment la base. Et pour l'appliquer, ça devient très compliqué après dans le terrain, dans l'industrie, etc. Donc j'ai rassuré ce dirigeant, qui après a pu rassurer ses collaborateurs et a pu reprendre une activité très correcte. D'autres clients aussi ont besoin d'être rassurés, notamment ils avaient du personnel intérimaire qui vient en renfort dans l'industrie agroalimentaire. C'est pareil, il faut mettre en place toutes ces mesures pour rassurer. Il y a l'anxiété, l'angoisse, c'est un gros frein, c'est un gros facteur, je dirais, très, très alourdissant, aggravant de management. Et c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. La sécurité, le bien-être, et puis après, on arrive à la qualité de vie globale au travail. Si on se sent bien au travail, on se sent bien, si sa santé est protégée, on peut se sentir bien aussi au travail. Effectivement, ouais, c'est un processus inhérent. Alors après, voilà, la qualité de vie globale, on va dire que ça, c'est pour plus dans le moyen voire long terme. Mais déjà, le fait de se soucier vraiment de la santé des collaborateurs, ça, c'est le point majeur. Mais derrière, la santé psychologique et notamment liée aux émotions Oui, tout à permet fait. d'améliorer la qualité de vie au travail et donc là en télétravail, voire hors temps de travail, vu que tout est un peu mélangé et un peu flou aujourd'hui. Voilà, donc c'est le rapport de confiance, hein, qu'on trouve dans le management, le rapport de confiance aujourd'hui, demain, quand on fait la reprise, les entreprises sont fermées, comment elles font pour reprendre. Et puis voilà, moi j'ai cette approche santé au travail, puis l'organisation du travail. Super. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est surtout, en fait, comme vous l'avez dit, rassurer les dirigeants. En fait, il faut que eux, ce soit clair pour eux et que eux arrivent du coup à bien conceptualiser les choses pour eux déjà. Et si pour eux c'est clair, alors ils auront beaucoup plus de facilité à le descendre au niveau des équipes. Et si vous avez des strates managériales différentes, c'est insuffler à vos managers, s'assurer que eux le vivent bien pour qu'ils puissent le transmettre aussi aux équipes de manière positive. Optimiste, voilà, se focaliser aussi sur tout ce qui est positif, c'est très important. Oui, comme vous disiez, vous les managers, prenez soin de vous. C'est vrai que là, on doit penser à beaucoup de choses, hein, personnellement, l'entreprise, la trésorerie, comment faire, les clients, les fournisseurs, mon personnel, etc., etc.
Clairement. Et ça, c'est super important. Si vous êtes centré, si vous êtes clair avec vous-même et si vous vous sentez plutôt bien, on ne peut pas toujours être au top, mais si on se sent plutôt bien, alors bah, du coup, on va dégager des ondes positives et de rassurantes au niveau de ses équipes. Et ça, c'est très important. Ouais, ok. Merci, Jonah. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore des personnes connectées ou des personnes qui ont envie de s'exprimer? Écoutez, si plus personne n'a de questions, bah, je vous propose bah, du coup, de s'en arrêter là pour ce matin. N'hésitez pas, si vous souhaitez échanger avec moi, faire connaissance, voilà, ou discuter de certaines problématiques que vous pouvez rencontrer, ben, à me contacter. On prendra le temps de se connaître, de faire un petit point et ensuite, effectivement, si les possibilités nous permettent plus tard de se rencontrer, sinon de faire une petite visio. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.